Richard. Ben, c'est Tanguy, hein. Tanguy, il a une PME. En fait, il a toujours pas déclaré son numéro de TVA, il a pas de registre de commerce. Il fait dans l'Evans, quoi, il vend du vent, quoi. Et là, il fait des affaires avec le Japon. Il a enfin obtenu le contrat du siècle avec le Japon. Il s'envole au Japon. Il est le seul à gagner dans l'avion. En plus qu'un, ça fait... Ah, les plus qu'un japonais, ça doit pas être... Il arrive au Japon, il travaille comme des bêtes, c'est les japonais, c'est 36 heures de boulot pour 24 heures de sommeil, enfin bon, soit. Et il travaille comme des bêtes toute la journée. Un peu comme Renaud. Et à la fin de la journée, il y a le japonais qui lui dit, maintenant, vous êtes cool, on va aller dans une maison de thé. Une maison de thé, tu connais Mike? Ben comment expliquer, une maison de thé, c'est pas simplement un endroit où tu bois du thé, quoi. Et il voit une geisha. Putain, il y a un trick d'enfer. D'ailleurs, geisha, ça veut dire putain. C'est la traduction. Oh, elle est chaude comme une baraque à frites, je vais faire son rose. C'est incroyable, elle est ici et moi, je comprends pas. Il commence à la niquer, putain, c'est génial, le Japon, j'adore. C'est vrai qu'il a changé. Il est fou, c'est génial. Et la fille lui fait, Yakamoto. Yakamoto. Oh, elle doit admirer l'homme. Oh, il continue. Yakamoto. Ouais, Yakamoto, I am the best. Il continue. Là, oh, il continue. Yakamoto. Putain, elle crie Yakamoto, elle doit admirer l'homme. Lendemain au bureau. Alors, ça s'est bien passé la nuit? Putain d'enfer. Oh, je l'ai niqué. C'est fini, on ne le récupérera plus jamais, lui. C'est son frère, c'est pas lui. Oui, Richard. Oh, non, c'est Richard. C'est Olivier Ruben. Non, c'est pas moi, c'est Tanguy, je te dis. Et alors, ils vont travailler toute la journée. Vers 15h, le japonais dit, nous allons faire un petit golf. Oui, pourquoi pas, c'est moins intéressant, mais why not, hein? Et ils vont sur le green. Et à ce moment-là, il y a le japonais qui envoie un drive. Ça intéresse Renaud, qui adore le golf. Il envoie un drive, paf, ça tombe pile dans le trou. À ce moment-là, le Tanguy se dit, c'est génial, je vais le féliciter. J'ai appris un mot hier soir, une sorte de félicitation pour admirer l'homme, je vais l'utiliser. Et à ce moment-là, il lui dit, Yakamoto. Et à ce moment-là, le japonais le regarde et lui dit, mais non, je vous assure que c'est le bon trou. Voilà. On nous l'a changé. Voilà. Et voilà. Voilà. Il en fallait voilà. Une. Voilà. Il en fallait une. Regardez-le. Oui. Il est plus le même. Écoutez, on m'a dit c'est une émission populaire. Alors bon, je suis devenu un peu René. Moi, je l'ai connu. Tomber la chemise. Tomber la chemise.